Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, hier j'ai fait le tuto, j'ai continué le tuto du mini-album, mais voilà, la vidéo a buggé. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait et vous expliquer comment j'ai fait. Donc, l'autre jour on avait fait la cascade. Et là, cette fois-ci, j'ai rajouté la reliure en U avec les pages. Donc pour la reliure en U, c'est très simple. Il vous faut deux bandes. Alors vous pouvez faire deux. Moi j'ai fait deux, mais vous pouvez faire trois. Vous voyez, il y a encore la place de rajouter une reliure. Donc la première, elle fait 5 cm par 15. Et alors, admettons que cette bande-là fasse 7 par 15. Vous devez faire un pli à 1 cm ici et un pli à 1 cm là. Ça va vous donner le U. La deuxième bande, du coup, c'est 4 par 15. Pareil, 1 cm, 1 cm. Et si vous voulez rajouter une troisième bande, vous faites 3 cm avec un pli à 1, un pli à 1. Vous collez vos U les uns sur les autres. Donc le plus grand, le deuxième, le troisième si vous mettez 3 U. Et ensuite pour les pages, j'ai pris dans les cartes qui font 15-15 et j'ai coupé à 12 par 15. Et voilà, et vous les collez. Donc vous avez... Alors j'attrape une carte. Voilà, vous avez votre carte 15 par 15. Du côté de l'ouverture, vous coupez à 12 du coup. Donc là, ça vous fera 12 par 15. Et ensuite, pour coller, eh bien, c'est très simple. Vous allez mettre votre page comme ça. Donc vous avez votre pli. Bon, je vais plier ma bande, c'est pas grave. Admettons, voilà, vous avez votre U. Donc là, vous imaginez qu'il y a un autre pli, hein. Et vous prenez votre page et vous avez juste à la coller comme ça. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Si vous ne collez pas jusqu'au bout, vous pourrez même rajouter un tag. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi ça a bugué au moment de la mise en ligne. En fait, ça me marquait échec. Et quand j'ai re-regardé ma vidéo que j'avais filmée, eh bien, il n'y a pas la fin. Donc voilà voilà ce que ça vous donnera, hein. Donc voilà. Donc là, vous pourrez mettre une photo de taille standard pour le coup. Et donc là, on peut en mettre 8. Et si vous rajoutez un U, vous pourrez mettre 10 photos. Voilà. Donc, je vais en profiter pour vous montrer un courrier que j'ai reçu cette semaine. Donc, c'est de la boîte à idées de Nadra. Donc, elle m'a fait cette petite carte sur le thème de la mer. Très jolie. Alors, j'ai plein de cartes là que j'ai pas rangées, qu'il va falloir que je range. Et en fait, c'était pour un échange d'ATC. Donc voilà l'ATC qu'elle m'a envoyé. C'est le fond est fait avec de l'encre. Elle a tamponné des bulles et une pieuvre. Très joli ATC. Donc je ne me souvenais même pas que je lui avais demandé. Et c'est elle qui m'a recontacté. Avec tous les soucis que j'ai eus, j'ai perdu un petit peu la tête. Et du coup, elle m'a envoyé aussi des découpes. Donc il y a des papillons. Alors ça, j'aime beaucoup cette découpe bocale là. Ah, je voudrais pas ouvrir le sachet. Il y a un papillon qui est cassé. Bon, tant pis. J'aime beaucoup cette découpe, moi, là, comme ça. Il y a des... C'est quoi? New home, des clés, des vélos. Voilà, il y a un peu de tout. Des rouages. Donc merci beaucoup à toi Nadra. Et ensuite, je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai commandé sur AliExpress, vu que j'ai reçu deux courriers. Donc des petites breloques. Alors là, c'est pour faire sur le thème Alice au pays des merveilles. Donc on a le champignon avec, vous savez, la chenille là, qui fume. Donc là, vous voyez sa petite tête. Et derrière, il y a le reste de son corps. Voilà. Ensuite, j'ai commandé des as, des cartes. Hop. Voilà. Et j'ai commandé... Ça, j'ai vu sur... Ah, je sais plus le nom. Je crois que c'est Rose Beauty Scrap. Je sais plus quoi. Elle a fait des trucs avec des cabochons. Et du coup, ça m'a donné envie d'en faire. Donc, j'en ai commandé plusieurs. Alors, on a tout d'abord celui-ci.
Alors, je vais pas me mettre devant la lumière. Tac. Ensuite, alors là, c'est il y en a différents. Moi, j'en ai commandé un paquet chez le même vendeur, comme ça j'en ai pour un moment et j'ai pas besoin de recommander. Donc là, c'est plus des oiseaux. Alors, je vais pas tous vous les montrer, hein. Oups, un petit rouge-gorge. Hop. Ah, lui, c'est dommage, il a pas la tête. Celui-ci. Voilà, donc là, c'est des oiseaux. Ensuite, là, c'est des... Alors, je suis désolée si je renifle, mais j'ai mes allergies. Hein. Là, c'est un peu un truc enfantin vintage. Voilà, les petits nounours. Voilà. Ça, c'est des fées. Alors, des petites fées. Donc, vous voyez, j'ai vraiment commandé plusieurs sortes. Comme ça, j'ai ce qu'il faut, j'ai pas besoin d'en recommander. Là, c'est pareil, c'est des libellules. Alors franchement, ils sont super super nets, les cabochons. Tac, là on a des danseuses sur des partitions. Ceux-là, ils sont trop jolis. Je vais éternuer. Ah, excusez-moi. Et pour finir, là, c'est des roses. Voilà. Donc, voilà les petits cabochons que j'ai commandés. Il ne reste plus qu'à créer avec. Alors, dans mon lot du tirage au sort, je vais en mettre quelques-uns du coup. Je vais faire un petit mix. D'ailleurs, il faut que je fasse mon tirage au sort. Alors, je pense pas que je le ferai demain, parce que demain, j'ai une ouverture de colis à vous filmer. Je pense que je le ferai la semaine prochaine. Dans la semaine, voilà, peut-être mardi, je sais pas. Je vais finir aussi le tuto de l'album pour pas vous mettre plusieurs vidéos dans la même journée. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous dis à très vite. Ciao ciao.